Heureuse que vous ayez eu la même idée que moi de passer une bonne soirée, c'est-à-dire une soirée à l'échelle à la coulisse. N'est-ce pas merveilleux? On a quand même résisté à tout. On a résisté au 12-12-12. Le 12 décembre 2012, ouais. N'est-ce pas? Voilà, c'est vrai. N'est-ce pas? À 12h12. Ouais. On a résisté à la fin du monde. Ce qui est quand même pas donné à tout. On a résisté à la fin du monde. Nous sommes... le mec qui est mort le 21 décembre au soir, il n'aura jamais su si... Bon, glissons. On a résisté au réveillon de Noël en famille. Qui est quand même une des plus grandes vacheries que nous ait fait l'Occident. On a résisté au réveillon entre copains. Sauf ceux, évidemment, qui l'ont passé au magique. Parce que c'était, comme son nom l'indique, une nuit magique. Et en fait, ils n'ont qu'un regret, c'est qu'il n'y en ait qu'un parent. Ils ont également résisté à la galette des rois au bureau, la galette des rois paroissiale, la galette des rois du copain du dessus, la galette du roi du copain d'à côté, la galette des rois du copain d'en dessous. Ouais. Ou pas de galette du tout. C'est pour finir, il y en a pas. Ou pas de galette du tout, mais alors là, il faut là, vraiment avoir beaucoup, 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 beaucoup de chance. Donc, on a résisté à tout pour pouvoir être tout frais, tout merveilleux ce soir. Quelle chance on a. Vraiment, là, on se sent... on se sent quand même vainqueur, survivant, Koh-Lanta... Koh-Lanta, c'est rien à côté de nous. Enfin bref, on est les meilleurs. On fait rien. Oui. Ah, c'est chouette. Celle qui me regarde maintenant en joignant les mains dans l'attitude de Bernadette Soubirous devant la Vierge. Mais exactement, alors là, c'est... Je vais mettre donc le comble à sa joie, n'est-ce pas? En lui disant donc qu'elle peut venir jusqu'auprès de moi et monter sur cette scène sacrée. Ginevra! Elle m'aura tout fait. Bon. Bonsoir. Non, eh bien, bon, j'en veux pas. Voilà. Bon, ben vous allez échapper à la rime. Mais il y a quand même la métrique. Devoir se taire. Qu'importe sa couleur et qu'importe son nom, il a 100 fois lancé. Puis aller le filet alourdi du poisson quand la mer est prodigue. 100 fois il l'a lancé et l'a remonté vide quand, malgré le labeur, la mer était avare. Jour après jour, il lutte contre la nature et doit jour après jour subir les éléments. En maintes occasions, il a risqué sa vie. Mains de ses compagnons y ont risqué la leur. La mer est son métier et peut-être sa mort. Mais on veut protéger la réserve halieutique, tant limiter ses prises qu'il n'en vivra plus. Au nom de l'avenir, on décide pour lui ce qu'il pourra garder ou devra rejeter de poissons dans les flots où pourtant ils mourront. Et il devrait se taire. Qu'importe sa couleur et qu'importe son nom, mille fois et mille fois encore, il a creusé le sol pour bien maigre récolte, pour que mangent les siens. Et ceux de son lignage, pour échanger aussi avec son voisinage, obtenant l'abondance en de rares occasions, plus souvent la disette, bien que femme et enfant aient cependant donné chacun plus que sa force. Et voilà que l'on vient, que pour cause de guerre, on le chasse de là, on confisque sa terre, qu'il la doive à son Dieu, ou bien à son travail. On détruit sa maison, où voulez-vous qu'il aille? Et il devrait se taire!
Aussi, je me demande comment je peux encore, de ma plume, parfois, écrire le bonheur. Oh, bravo. Bravo. Ginevra, tu es en pleine lumière. Je te gêne ? C'est les projecteurs. Non, pas du tout. Tu ne me gênes pas du tout. Maintenant que tout le monde est bien installé, celle qui va se poser sur le... Mais je suis ravi que vous soyez là. Celle qui va se poser sur le barreau suivant de notre courte échelle, eh bien, c'est notre rossignol blond, c'est Mireille. Bonsoir. Eh bien, on va faire un peu dans la joie, on va descendre dans la boîte de jazz avec Michel Jonas. Ah ouais, ben ouais. Un peu parti, un peu naze, je descends dans la boîte de jazz, histoire d'oublier un peu le cours de ma vie. Les gars me regardent énervés, c'est pas une habituée. L'orchestre s'installe des professionnels, et c'est moi qu'on interpelle. Tu connais Charlie Mingus? Pas par cœur, je connais par cœur. Le nom de David aussi? Aussi, aussi. J'aime tous les succès de Duke Ellington, tous les standards d'Oscar Peterson, de Lionel Hampton, de Scott Hamilton, de Duke Ellington. Ok, ok, ok. J'avance doucement et je rase les murs de la boîte de jazz pour arriver pétrifié jusqu'à la scène. Dans un coin, l'orgue m'attire. Ça y est, je transpire. Et si c'était la chance de ma vie, je me lance, allez tant pis. J'aime tous les succès de Duke Ellington, tous les standards d'Oscar Peterson, de Lionel Hampton, de Scott Hamilton, de Duke Ellington, de Michael Jackson. J'aime tous les succès de Duke Ellington, tous les standards d'Oscar Peterson, de Lionel Hampton, de Scott Hamilton, de Michael Jackson, de Charlie Thompson, de Mike Jefferson, de Charlie Thompson, et au piano Roger Pouli. Que vraiment là les univers allaient se succéder, et ça, et sans autre lien que mes propres pitreries. Ah oui, hein, sans que je sois lapin d'air, hein, mais on sent tout de suite l'influence. Sans éléphant. Oui, sans éléphant.
celui qui va venir maintenant sur une scène qui n'est pas circulaire, sur la scène de l'échelle à coulisses, c'est notre ami Bernard. Fabuleux, lui il est fabuleux. La France, pays de la tolérance, de la vérité, de la sincérité, on a le droit de s'exprimer, de faire valoir ces différences. Je proclame ma différence. Je prends l'amour là où il se trouve. La femme est un chef-d'œuvre, sans doute le plus beau, et la nature nous offre ce merveilleux cadeau. Nul ne peut se lasser d'exprimer sa splendeur, la serrer tendrement, respirer son odeur. Le chemin voluptueux qui souligne ses traits trace des arabesques au relief si parfait. Quand la gorge évanouit, on découvre les seins, ses joyaux frémissant sous la caresse des mains. Puis apparaît le ventre qui parfois s'arrondit, car les fruits de l'amour peuvent donner la vie. Et le monde Vénus, dans un écrin de mousse, annonce un nid douillet, la peau en est si douce. Le bonheur me transporte, je suis gai et heureux. Ma bien-aimée m'attend, je vole vers les cieux. Oh, bravo, bravo, bravo. C'est de qui? Ça tombe bien, c'est aussi son pseudo. Repris de justesse, Jean-Claude. Alors moi, j'ai écrit un texte qu'on va bien aimer, que je viens de finir, que je trouve très beau. Alors il y a un petit peu de personnel dedans. Ou alors il y en a un qui est beaucoup plus sensuel, je ne sais pas si vous avez envie d'entendre. On avait dit pas de présentation de 2000. Exact. On l'avait dit. Hein. Ouais. Alors tu choisis et tu fonces. Ça y est, c'est fait. Bonjour Laurence, c'est moi le fou. Faut-il vraiment que je me présente? Alors j'y vais. Depuis petit, je dois faire à peine 1m60. Quant à mes fautes d'orthographe, t'y es habitué, n'y fais plus gaffe. Si tu veux lire avant demain la fin du premier paragraphe. Je suis pas très riche et pas très bon et mal me taire quand il le faut. Dans ma panoplie de défauts, j'en ai des drôles auxquels je tiens, comme savoir lire dans tes silences ce que tu t'es pour que les tiens ne voient jamais de tes souffrances l'ombre des larmes que tu retiens. Et mes défauts vont même plus loin. Lorsque tu me dis que tout va bien, ton âme me crie « c'est difficile d'être aussi forte et si fragile ». Non pas que je sois un peu martien, mais ton espace est dans le mien. Et lorsque derrière ma fenêtre, pleine de brouillard de mes soupirs, tu fais naître de tes doigts de fée les mots que seule l'âme peut lire. Alors, nos êtres ne font plus qu'un, et l'amour meurt sans son butin. Le plus balourd de mes défauts est à lui seul un vrai festin, qui prend son pied à mettre à poil tous les gros mots qu'il y a dans mon âme, dont un qui a gagné la palme du balanier le plus décoiffé, en balançant son grand patron, cet amoureux, ce vrai petit con, qui a confondu ta vérité en le mixant au verbe aimer, sans pour autant avoir compris que faire semblant aide à la vie. Les masques de l'hypocrisie n'ont pas d'accroche au paradis, moche pour ceux qui ne l'ont pas compris. Ça, c'est toi, déesse, qui me l'a appris. J'ai encore plein d'autres défauts, et ton absence m'a désappris à entretenir mes indécences et mon nombril.
et ma connerie. Et si Marie m'a un peu à peine potable, fait ce qu'elle peut, même quand il pleut, c'est qu'elle croit qu'on monte sa montagne. Les vrais coupables, c'est peut-être nous deux. Faut dire qu'on a vécu des jours heureux, des nuits d'amour, même en plein jour, dans les étoiles ou au bureau. Mais là, je concours, ça devient trop chaud. Ta liberté n'a pas de prix, ton bonheur n'a pas de laisse. Tant mieux pour ceux qui l'ont compris, c'est tout le bonheur que je te souhaite. J'aimerais vraiment pouvoir te suivre quand ta puissance belle et sauvage voudrait tellement fermer ce livre et peindre enfin ta propre page. Celle qui ressemble à ton courage que tu m'as, de ton âme forgée, au détriment de mille faiblesses que tu n'as jamais acceptées. Ils sont brutaux, mes gros sabots, et je pourrais croire que j'ai tout faux. Mais même si je me foutais à l'eau, ça changerait rien, on se connaît trop. Pour l'égoïsme, ces salauds, mes défauts méritent une médaille. Faire de la chair, faire de la terre, un champ de bataille, pour qui oserait te faire du mal. J'ai appris par toi, Laurence, que l'apparence n'est pas le fond. Si je me trompe, je m'en balance, je ne changerai jamais de vie. Et si tu ne veux plus me voir pour consolider tes remparts, je comprendrai en mes façons, avec, à l'âme, un fol espoir, te savoir dessiner les traits du plus câlin des promontoires, gorgé d'amour de tes enfants. Tel un écrin pour leur maman. Pour les étoiles et le soleil, zéro conseil, je te fais confiance. Pour les couleurs de l'arc-en-ciel, tes origines, ta descendance. Toutes les nuances du nom qui rime, avec la vie, avec je t'aime, avec éternel et joli, avec Romy et Gabriel. Fais-leur une place dans ton château, celui-là même que je connais, qui n'a ni roi, ni dieu, ni glace, qui n'est que toi de tant de grâce. Je voudrais comme toi, Laurence, que le bonheur vienne pour le bon, sans justifier autant de chance, et ne plus jamais dire pardon. Bravo! Très beau, très profond, très riche. Vraiment un très 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 beau moment. Merci infiniment. Je peux vous dire, Michel, avec toute émotion que vous là, mais cette émotion, nous l'avons aussi parce que nous avons écouté ce texte profondément. Merci infiniment. c'est ça l'échange de la scène. Quand on est la vedette de seconde partie de soirée, on a le privilège d'aller dans la loge pour poser ses affaires, ses guitares, tout ce qu'on pose. Bon, et dans la loge, il y a un petit panneau qui est punaisé, sur lequel il y a un extrait de la dernière conversation téléphonique que j'ai eue avec Vicky Messica. Voilà. Et qui reste en quelque sorte, avec plein de guillemets, mais enfin, qui reste un peu la charte de l'échelle à coulisses. Et notamment qui dit on n'est pas sur scène pour se faire aimer, mais pour aimer. C'est un autre deal. La scène n'est pas une thérapie, c'est un acte d'amour. Et il faut bien dire qu'on en a des démonstrations tous les soirs, tous les samedis soirs ici. Et particulièrement ce soir. Nous allons continuer avec, Céline Dion. Alors, nous avons de la chance, parce que l'original n'est pas là, et c'est Eliane qui la remplace, et qui la remplace avantageusement. Moi, Céline, elle me... mais par contre, j'aime beaucoup ces chansons interprétées par les autres. Donc, j'ai de la chance, Eliane. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse entre les courses et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé au chaud dans un jardin sauté. Je voudrais passer l'océan, croiser le bal d'un goéland, penser à tout ce que j'ai vu, ou bien aller vers l'inconnu. Je voudrais les
brancher la lune et même aussi sauver la terre. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais choisir un bateau, pas le plus beau ni le plus gros. Je le remplirai des nuages et des parfums de mes voyages. Je voudrais freiner pour m'asseoir, trouver au creux de ma mémoire de ceux qui m'ont appris qu'il n'y a pas de rêve interdit. Je voudrais trouver les couleurs à tous les blocs que j'ai dans le cœur, de ce décor aux lignes pures où je vous vois et me rassure. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais oublier le temps pour un sourire, pour un instant. Une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces. Où est ma vie, où est ma place? Et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais partir avec toi, je voudrais rester avec toi, toujours chercher l'inaccessible, toujours espérer l'impossible. Je voudrais décrocher la lune et même ma lune sauver la terre. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Je me répète un peu, mais c'est pas de ma faute. Hein. C'est quand il y a des talents, il y a un moment où on est obligé de redire la même chose. Puis en plus, ça risque pas de s'aggraver. Alors, le barreau suivant de notre courte échelle sera occupé par celui qu'on peut appeler, comme dans ma chanson, l'ami inoxydable. C'est Jean-Claude Manceau. Alors, pour rebondir sur la présentation de Marielle tout à l'heure, je vois que vous avez survécu au ravioli de Noël, la dinde au marron, la galette des rois, tout ça. Mais c'est pas fini, parce qu'on n'est pas au bout du mois de janvier. Maintenant, la galette des rois, c'est au mois de janvier. Ça commence même avant Noël. Et puis, bon, le mois de février, c'est les crêpes. Donc, vous n'avez pas fini. Donc, je vais vous emmener sur un tour de France gastronomique complètement décalé. Alors, de décalé de chez décalé. Voilà. Alors, donc, le tour de France gastronomique. Ah, je ne sais pas si vous allez vous régaler, mais c'est un peu particulier. Et si on allait déguster des tomates farcies à pont farci, une brandade de morue à mérue, un canard à l'orange à orange, un sauté de poulet au coin à Tourcoing. Et si on allait déguster des cœurs de palmier à Pamiers, un gigot d'agneau à Agneau, un chili con carne à Concarneau, un Welcher à Roby à Albi, et pourquoi pas être à la masse à Annemasse, ne pas croire en Dieu à Lisieux, faire la carte du tendre à Montendre, et aller voir la tour Eiffel à Ernée. Et si on allait déguster des œufs au miroir, des petits pois au lard à Rémalard, un tourneau d'eau choron à la Roche-Poron, un bœuf mironton
à Menton. Et s'en allait déguster un pâté pantin à Pantin, un saumon à l'oseille à Marseille, un bœuf à la ficelle à Sarcelles, une choucroute alsacienne à Valenciennes. Et pourquoi pas être à la masse à Annemasse, ouais, faut être un peu à la masse pour avoir écrit ça, hein. Ne pas croire en Dieu à Lisieux, faire la carte du tendre à Montendre, et aller voir la tour Eiffel à Herné. Aller surtout voir la tour Eiffel à Herné. Merci beaucoup. La carte du temps d'un montant, c'est merveilleux. Ah oui. Ça me donne du temps pour voir. C'est une très, un trop beau, un beau petit mot. Herné, c'est parce qu'ils ont une, c'est parce qu'ils ont une, ouais, une reproduction de la tour Eiffel, n'est-ce pas Jean-Claude? Oui, voilà. Ah. C'est où Herné, Jean-Claude? C'est en Mayenne. C'est en Mayenne. C'est le département de la Mayenne. Département de la Mayenne. Donc personnellement, en Mayenne, je connais Laval et Pont-Mince. Ben, Pont-Mince, c'est tout à côté d'Arnay. Ah ben voilà, c'est facile. celui qui est arrivé avec sa guitare dans le dos, vous me direz, il n'est pas le seul. Mais celui donc, qui va venir avec sa guitare sur notre scène maintenant, c'est Amédée. C'est une chanson sur Marie, pour Marie. Donc, spéciale dédicace à toutes les Maries, s'il y en a, ce soir. Eh ben, il y en a déjà au moins une. Bon. Forcément, à l'usage, elle est là. Tiens, un petit micro. Pour moi, oh, mais c'est un rayon de soleil.
comme j'aime la Marie, ou de Tokyo à Rio. Oh, j'adore la Marie, Jamaïque, Calafrique, ou du Mexique au tropique. Aucun parti pris. Ça, c'est la thérapie de Marie, par Marie, oh oui. Une bonne petite thérapie, oh Marie, grâce à toi, oh, déjà, déjà, oh Marie, pleine de joie, oh oui. Touche-moi là, Marie, c'est comme cette petite planète qu'on aurait dans la bouche, t'aimes, wap, wap. Elle s'en fout de nos différences, qu'on soit de chez nous, de France. Elle diffuse que de bonnes ondes, quand t'es tout et pour tout le monde. Protégeons-la du mauvais sort, parce que si nous tèche, on est mort. Marie, grâce à toi, love déjà, tiens. Oh Marie, grâce à toi, oui, yes, I love déjà, tiens. Oh Marie, grâce à toi, I love déjà, tiens. Oh Marie, pleine de joie, ouais, touche-moi là, touche-moi là. Touche-moi là, Marie, touche-moi là. Oh oui, pleine de grâce, Marie, touche-moi là. Oui, encore là, oh oui, oui, toujours là. Oh, droit au cœur, Marie, touche-moi là. Oh oui, touche-moi là, Marie, touche-moi là. Oui, pleine de grâce, Marie, touche-moi là. Oui, encore là, ouais, ouais, toujours là. Oui, droit au cœur, touche-moi là. Marie, pleine de grâce à toi, I love déjà. Yes. Vous avez bien entendu, vous avez bien perçu, vous entendez les paroles. Non, c'est de... c'est exotique. C'est exotique. Merci. C'est une pure merveille. C'est assez amusant d'ailleurs parce que Gaba avait commencé au départ par être chanteur, n'est-ce pas ? Donc notamment chanteur de revue avec Miss Tinguette, enfin toute la grande époque Miss Tinguette. Et puis après il a fait aller au cinéma donc en faisant des films chantants. Et puis après, il a fait du cinéma tout court. Puis après, il y a eu une longue interruption. Et puis, un second souffle. C'est en général là, d'ailleurs, que la jeune génération l'a découvert. Donc, dans Le Cave se rebiffe et autres grands moments, n'est-ce pas, avec les dialogues d'Audiard. Mais si vous vous souvenez de Quand on se promène au bord de l'eau. Promène au bord de l'eau. Comme c'est beau, quel renouveau. Voilà, donc ben, c'est de lui. Enfin, c'est chanté par lui, donc dans le film La Belle Équipe. La Belle Équipe. Voilà, qu'on a vu en plein air dans les jardins de Montmartre cet été. Et c'était pris à Vincennes. Voilà, exactement. Voilà, exactement. C'était beau comme tout. Il n'est pas de ma famille, hein. Il n'y a pas de népotisme ici. Il n'est pas de ma famille, c'est pas de ma faute s'il s'appelle Beaufrère. Bernard Beaufrère. Je vais faire un poème, c'est pas un poème, c'est du Jacques Prévert. Il a fait un texte très disjoncté qui s'appelle La conférence par un conférencier. Si tu peux te mettre au micro, ce serait sympa. Oh, vous, oui. Je vais parler plus fort. D'accord, vas-y. Voilà. Alors, vas-y. Je ne suis pas quiconque. J'ai des vestiges, j'ai des références. Contrôleur des Toises et Masures à Saint-Nazaire. Révoqué à Nantes. Réembauché catholique à la cour des comptes de Perrault ou Perros-Guérec, enfin dans une région analogue. Plusieurs fois carencé en duel et désagrégé en philosophie. Plusieurs fois perdu en mer, comme je le prouverai par la suite. Séquestré, sinistré un peu partout. Orchestré à cordes, à la Schola Cantorum. Jeté aux chiens,
à Joinville-le-Pont à la suite d'une erreur judiciaire, défroqué à la foire Saint-Germain, examiné à la chaloupe par un amiral des navires, montré en exemple plusieurs fois, exécutif au salon des arts ménagers et porté au nu au grand salon d'automne des exhibitionnistes d'hiver et d'été. J'ai des documents que je ferai circuler dans la salle tout à l'heure. Enlevé par une lame de fond le 22 septembre 1932-1912, enfin peu importe la date, en pareille circonstance, la chose s'est passée à Saint-Guinolé-Finistère, pour être plus précis. Rendu à l'affection des miens, une dizaine d'années plus tard, par la même vague de fond. Visité le Gulf Stream dans l'intervalle, visité IF, description des livres, célèbre château d'If, voire Abbé Faria, découverte de l'énergie des mêmes marées, description du phénomène, énergie du désespoir et force d'inertie combinées, à la faveur desquelles j'ai pu lutter contre le vague à l'âme qui menaçait de m'incinérer. Porté en triomphe dans plusieurs localités différentes, pour action d'éclat, prouesse équestre, performance nautique et amoureuse. Amoureuse fera l'objet d'une seconde conférence. Prix d'excellence dans plusieurs écoles de Paris. Reprise justice, même ville, même pays. Entrepreneur d'entreprise un peu partout. J'ai fermé les yeux de beaucoup de morts sur le lit. J'ai ouvert les huit et fermé les portières. Place de la Contrescarpe, non loin du Val de Grâce, Paris. Reconnu. Arbitrairement unijambiste héréditaire par la faculté de Saint-Médard, parce qu'examiné trop vite tout enfant, joint à la marèche, à perché ou cloche-pied, mais fort heureusement miraculé officiellement à Lourdes et reconnu d'utilité pédestre et publique. Contacté hélas au titre purulent dans la fameuse piscine de la fameuse basilique. Guéri, reprise nombreuses activités. Lanceur de disques à l'Université de Columbia, marchand d'aiguilles dans la même fabrique, loueur de fenêtres à guillotine boulevard Arago pour des exécutions matinales et capitales, capitale Paris, trié sur le volet, vu et approuvé à Cambrai, précision sur les bêtises du même nom. Montré du doigt, place de grève par le comité des forges de Vulcain, consulté mythologie auditive du même auteur, suite d'infolio, de notes et d'alinéas. Et tout ceci a été appris par votre serviteur, dans le temps record de 28 jours. Explication des 28 jours, ancienne période militaire. Consulter le calendrier menstruel des femmes canons de l'école d'artillerie de Fontainebleau. Fontainebleau, spécialité d'adieu historique avec l'arme à l'œil, l'âme à la bretelle et repos et convalescence à l'île d'Elbe aux frais de la princesse. Retour payé Waterloo. Demain, si vous le voulez bien, ma conférence portera sur les ratons laveurs. De Jacques Prévert. Et pour la petite histoire, je m'occupais du théâtre dans une école, et puis il y a eu, j'ai fait venir un. Vous vous rappelez du film Entrée des artistes ? Très bien, oui. Et il y avait Hugues Jouvet, et puis il y avait un artiste qui était là, qui faisait partie de l'Académie française, enfin, la Comédie française, qui est venu faire un récital poétique. Et il a fait ça devant. J'étais estomaqué de ça. Oui. Et je lui ai dit, ah, je voudrais bien apprendre ça. Et il me dit, quand tu le sauras par cœur, tu penseras, moi, je ne serai peut-être plus là. Et bien voilà. Et bien donc, on pense à réussi. En 28 jours. En 28 jours. Tu as réussi en 28 jours. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des gags, je dirais, qui sentent un petit peu leur passé, le comité des forges. Oui, bah, bien sûr, oui, oui, non, mais. Voilà, oui. Mais le gag reste, le comité des forges de Vulcain. Attends, on embraye, c'est absolument magnifique. Magnifique, merci. Je signale d'ailleurs que Bernard Beaufrère fera également partie d'un événement Montmartre 3 majeur, qui est le passage d'Alain Turban à l'Olympia. Oh! Oui, bon, pour une soirée, mais enfin, c'est déjà une soirée. Et donc, tu as un rôle donc, dans le spectacle d'Alain Turban. J'interprète Dimet, voilà. Tu interprètes notre ami Bernard Dimet. Ouais. Enfin, en tout cas, donc, déjà le mien, déjà. Ouais. Parce que je l'ai connu perso. Oui. Et quand j'ai obtenu le droit d'avoir 6 pages dans le trimestriel 75-20, qui était dirigé par le maire du 20e, du temps où il y avait 20 maires sur Paris et pas un seul... Je faisais une rubrique spectacle. Évidemment, tu te doutes bien que la première chose que j'ai fait, c'est de mettre le micro sous le nez de tous mes copains, dont Bernard, bien sûr. Voilà. Et je savais que Bernard, je l'allais lui montrer
le texte que j'allais donner au rédacteur, tu vois, à l'imprimeur. Bon. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé pour décrire sa maison de la rue Germain Pilon par une grille grinçante de fer gris. Voilà. Et je me disais, tiens, il va tout de suite voir, n'est-ce pas, que, en fait, n'est-ce pas, c'est une poète qui a écrit, qui a écrit pour lui. J'étais vachement fier. Je ne sais même pas s'il s'en est aperçu, d'ailleurs. Ah, bah oui, des fois, il était... Il est parti sur un point-virgule, comme quoi le point-virgule ne s'utilisait plus. On est parti une demi-heure pour défendre ce point-virgule. Le reste du texte... Bah, le reste du texte a dû lui plaire, puisqu'il me laissait le publier tel que... Avec également des dessins de lui, puisque je l'avais dessiné pendant son passage à la Galerie 55. Ah, oui. Voilà. Alors là aussi, j'y suis un peu pour quelque chose de l'avoir fait remonter sur scène à la Galerie 55. On se raconte nos guerres, excusez-nous. tiens, dans l'esprit de Jean-Claude Manceau, j'ai retrouvé le mail que je... Enfin, la note que je m'étais fait d'un Twitter. En ce moment, sur Twitter, il y a un hashtag, c'est-à-dire un mot-clé, donc, qui permet de retrouver des tweets parlant du même sujet. Et c'est un métier, une ville. Et alors, il y en a un donc, qui est particulièrement doué là-dessus et qui nous en avait fait 5, disant que l'on pouvait être croupier à Baccarat, chapelier à Bonnet, comptable à Facture, serrurier à La Clé et bijoutier à Orphin. Ah. Bah, maintenant, il te reste plus qu'à en trouver d'autres. Découvrir cet ami qui se présente à nous sous le nom de Pompon. Hymne aux hommes. On a beaucoup chanté les femmes, et ce n'est que pure justice. La grâce, la beauté, le charme de leurs amants font les délices. On a très peu parlé des hommes, c'est une grande injustice. Pour y remédier, en somme, voici ce que dirait Thémis. Lorsque vos beaux corps athlétiques, gonflés de muscles lourds et chauds, dans une forme olympique, se pavanent, font les beaux. Hommes, on vous aime. Lorsque vos yeux au regard tendre, au plus profond de nous pénètrent, comme on voudrait sans plus attendre, plonger dans un divin bien-être. Car, homme, on vous aime. Lorsque vos doigts fins ou rugueux caressent la peau fine et blanche d'un mouvement lent ou fougueux, alors, chaque fois, c'est dimanche. Vrai de vrai, homme, on vous aime. Lorsque, brûlant de mille feux, votre amour soudain se déchaîne, toutes les femmes font le vœu que vos bras mâles les enchaînent. Homme, Dieu de la vie, on vous aime. Lorsque le génie scientifique vous fait sortir du rang commun, le monde est vraiment magnifique quand avec vous on ne fait qu'un. Homme, puits de science, on vous aime. Lorsque votre esprit bouillonnant, mêlant humour, intelligence, fait de vous l'être rayonnant, plein de vie et d'effervescence, homme, vous êtes la vie, on vous aime. Lorsque votre cœur charitable vous pousse vers le malheureux,
lui rendant la vie supportable, le quotidien moins douloureux. Homme fraternel, solidaire, on vous aime. Lorsque vos tempes se font grises, votre charme s'est décuplé. Mon Dieu, comme on se sent éprise devant l'homme expérimenté. Homme, Dieu de la vie, Dieu de l'amour, on vous aime. Lorsqu'arrivent les cheveux blancs, ils font de vous l'amant tendresse. Si vous êtes moins frétillant, vous êtes encore plein de promesses. Vous êtes encore plein de promesses. Pour en faire un deuxième, puisque c'est votre première fois que vous passez sur notre scène. Merci. Le jour qui n'en finirait pas. Je veux, comme une enfant, être aimée d'amour tendre. Je veux, comme au piège, enfin me laisser prendre. Je veux, mon doux ami, vibrer sous tes caresses. Je veux, comme mon chat, ronronner de tendresse. Rose, t'ouvrir mon cœur si pur. Source, jaillir en doux murmure. Nymphe, te cacher dans mon lit. Ou blottir l'oiseau dans mon nid. Je veux, comme l'azur, illuminer tes yeux. Flamme, brûler de mille feux. Je veux, comme un papillon, sentir ton parfum. Toi et moi ne ferions plus qu'un. Je veux, de par mes lèvres, apporter le frisson. Je veux, femme comblée, vivre de la passion. Je veux être le jour qui n'en finirait pas. Je veux, comme l'éclair, lancer 100 000 éclats. Une étoile dans ton regard, la nuit qui arriverait tard, d'amour envelopper ton cœur, que plus rien ne me fasse peur. Je veux, comme la fleur, parfumer ton amour, dans tes bras, dormir pour toujours. Que j'ai vraiment apprécié l'imagination débordante de ce magnifique texte de fiction. Le dernier barreau de notre courte échelle est par tradition réservé au régisseur de l'échelle à coulisses, auteur, compositeur, interprète et arrangeur, dompteur de pieds de micro, vous en êtes aperçu, dompteur de la petite boîte mystérieuse là-bas, vous en êtes aperçu aussi. Il connaît tous les fils qui sont croisés, il les connaît tous, mais il les connaît même par leur prénom. Si, si, il y en a un qui l'appelle Jack. C'est pour dire à quel point ils sont intimes. C'est quand même extraordinaire. Donc, c'est le plus breton des Parisiens, c'est le plus parisien des Bretons en un mot commençant. C'est Olivier Rec. Juste un bel. Moi, j'ai tiré une affiche.
Eh bien, on va parler d'amour, mais d'amour de l'océan, avec la mer. La mer me tient, elle est l'eau de mes yeux. J'ai ses embruns pour témoin de ses lieux. Et m'emporte ses vagues vers ces mondes perdus, là où dansent les algues, là où chantent les nues. La mer me tient comme on tient un amant dans mon corps de marin. Vit le souffle du vent. Dans ses bras d'eau drapés d'écume, elle m'étreint sous un ciel de lune. J'aime ses roches de goémon qu'elle offre à marée basse. J'aime le bleu de ses fonds, son reflet dans l'espace. La mer me tient comme on tient un amant dans mon corps de marin. Vit le souffle du vent. Un amant dans mon corps de marin. Vit le souffle du vent. C'est bien pour me plaire. Je regarde la mer. Splendide. Oh, on voit évidemment tout le talent de l'auteur et du compositeur, mais celui aussi de l'arrangeur. Oh, ouais. J'espère que vous avez apprécié. Ah, ouais. C'était du. Enfin, moi, c'est une de mes préférées, celle-là. Le dernier chant d'enfant derrière. Là, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais dites donc, mais de toute façon, déjà dès le départ. Dès le départ, nous sommes allés de joie en joie. Souvenez-vous, nous avons commencé avec l'île Saint-Louis par Léo Ferré, Annick Gobert. Tous les malheurs du monde, et elle se demande comment elle peut être joyeuse. Nous, on ne se le demande pas, mais on est content qu'elle le soit. Ginevra. Qui
cette fois-ci, me regarde comme Notre-Dame de Lourdes regarde l'enfant Jésus. Là, c'est... Elle plante ses mains. Ah oui, tiens, en fait, je signale que, vous savez, un peu comme dans les stades, n'est-ce pas? Il a été perdu un briquet bleu qui était là dans la coursive. J'ai failli marcher deux fois dessus. Donc, s'il y a un fumeur, qui n'hésite pas à se dénoncer. De toute façon, il ne pourra pas fumer tant qu'on n'aura pas rendu le briquet. La joie du jazz, c'était avec Mireille. La lettre à Laurence, c'était Jean-Claude, notre recrue de justesse. Mieux que Céline Dion, c'était Eléane pour parler à mon père. Qu'est-ce qui m'a donné faim avec ces histoires de canards? C'était Jean-Claude Manceau. Le charme et la poésie si personnelle d'Amédée. Une chanson très rarement reprise, mais aussi il fallait être Giorgio pour pouvoir la reprendre. Également reprendre le texte de la conférence de Jacques Prévert, c'était pas tout le monde, c'était Bernard Beaufrère. Il y a des gens qui me voient parfois avec ma casquette de marin et qui me font ah, t'es à Montmartre, c'est la casquette de Gavroche. Alors il faut leur expliquer que non, c'est pas la casquette de Gavroche. Mais enfin bon, ce soir c'était la chanson de Gavroche. Parfois, une hymne qui faisait un peu contrepoids, n'est-ce pas, aux si justes propos de Bernard, un hymne donc à un homme idéal dont la réalité se fait toujours attendre, c'était Bonbon. Je me suis reconnu, hein. Quoique, il faut bien dire, Jean-Paul Reynaud n'en est pas loin. Jean-Paul Reynaud. Et last but not least, comme disent ceux qui aiment France Liszt, Olivier Rec. Alors, pendant les quelques minutes d'entraxe... Quelques minutes d'entracte, n'est-ce pas, qui vont suivre. Vous pourrez donc vous régaler de boissons froides, de boissons tièdes, de boissons chaudes. Et oui, de boissons chaudes, n'est-ce pas, concoctées par justement la vigilance de Jean-Paul Reynaud. Sachant bien sûr que, avec des petits gratos, sachant que tout cela, bien sûr, est gratuit, c'est-à-dire offert, c'est-à-dire cadeau, c'est-à-dire pas payant. savoir aussi qu'il y a les disques de Mérillon et les disques d'Olivier Rec qui sont également en vente. Jean-Claude Mérillon, avec cet optimisme qui fait son charme, n'en a apporté que 3. Donc, si vous en voulez un, vous avez intérêt à vous précipiter. Sinon, je les mets aux enchères à la seconde partie. On l'a. Oui, d'accord. Oui, j'espère bien. Oui. Qu'est-ce que tu dis, Jean-Claude? En cherchant bien, il y en a peut-être un quatrième dans la poche de ma guitare. Non ! Pas possible ! Ça, c'est un scoop. Voilà, donc... On a deux à vendre. Il doit être plus cher que votre disque d'or. Oui, sûrement, oui. Oui, qui dort, oui. C'est un disque qui dort. Notez également que vous pouvez donc vous échanger vos cartes au cours de cette entraide, savoir que mardi prochain, c'est le banquet mensuel de la Commune Libre de Montmartre, à la Crémaillère, et que nous tirerons sur les rois. Ah bon. Voilà. Que le jeudi 17, au Magique de Marc Avey, c'est une soirée anarchiste, donc avec différents textes. Je pense que Jean-Claude Mérillon en fait partie. Oui, on m'a demandé, je vais y aller en chanter une ou deux. Oui, moi aussi. Ah, voilà. Et il faudrait quand même que tu prennes quelques,
quelques leçons d'autopromotion auprès de notre spécialiste Jean-Paul, parce que c'est... Et puis vendredi 18, Olivier Rec dans ce merveilleux petit restaurant qu'est le coin de Malte, qui, comme son nom l'indique, est au coin de la rue de Malte. Ouais. On risque pas de le rater comme ça. Pendant donc vous vous régalez, nous allons tout préparer, tout mettre en place pour cette seconde partie que vous attendez. Jean-Claude Mérion, à tout de suite. C'est le petit marron sur les...